24, 20. 24, 20. Ah, dégage-toi. Si, si, ils sont en train de se faire réparer, tiens. Ouais, c'est ce que je vois. Voilà. Avec une porte. Bonjour. Voilà. Ah, bah, la même que moi. Bonjour. Votre, ouais, votre patron est là? Il était là, mais il est parti il y a une demi-heure. Il y a un problème. Hein. Je peux essayer de l'appeler si vous voulez. Ouais, ouais, je pars toujours. Pourquoi pas? Ou votre co-patron? Bah, ils sont partis tous les deux ensemble. D'accord. Bah, je vais essayer de les appeler. D'accord. Ils ne savent pas que les places sont entre les traits jaunes. Eh oui. Et vous savez, hein, les policiers, la loi, c'est eux. Hein. Ouais, 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 c'est ce qu'ils font quoi. Axel ? Du coup, vous êtes... Vous travaillez toujours à la série? Ouais, ouais, toujours, toujours. Ça paye bien? Oh bah, ça paye ce qu'il faut. Hein. Il va arriver. D'accord. À mon avis, d'ici 5 petites minutes, il sera là. D'accord. Tu cherches toujours à travailler ici? Non, non, je... Je vais leur dire que... Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de... d'être dans une prison. Raison, c'est un truc de mécano. Oui, mais vous n'avez pas de vie privée. Vous arrivez en ville et vous devez toujours être ici pour travailler. Ah bah, ils aiment pas, hein. Ouais. Donc je vais lui dire non et désolé. Ok. Bon bah bonne journée hein. Merci à vous aussi. Putain, c'est un chantier ici. Alors, votre voiture. Ouais. Ouais ouais ouais. Donc 260 de Stasis 6, putain je suis con.
Hop là, 489. Et puis ça marche. Allez, 489. Hop là. Yep. Merci. Allez, ciao. Hop. Je sais pas. Eh bonjour. Hola. Je peux vous aider? C'est lui, c'est le copatron. Oui. Oui, je devais le voir. Ah, oui, d'accord, ok. Bonne soirée. Bonsoir. Bien. Excusez-moi. Oui, c'était pour vous dire que finalement ça m'intéressait plus. Okay. Puisque j'aimerais aussi avoir ma vie privée. Rester à travailler 24 heures sur 24 quand je suis en ville, finalement ça va être compliqué. Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir accepté mon rendez-vous. Vous avez déjà une idée de où vous voulez aller? Non, pas du tout. Un endroit où je peux gagner de l'argent et je peux aussi avoir une vie privée. Je peux vous conseiller la PLS? Ouais, pourquoi pas. Attendez, bougez pas, je vais les patrons. Vous pouvez aller à la PLS. Vous pouvez aller au taxi. Bon, on gagne pas beaucoup de taxis, mais bon, au moins vous pouvez rentrer dans le monde. Vous pouvez aller à Arc. Ok. Sam, le train vide. Le souci, c'est que y a pas beaucoup qui est dehors de la ville et taxis, on doit trop s'emmerder, non? Ouais, pas mal. Ouais. Ça marche. Faudra un truc où je peux travailler pendant une demi-heure, une heure, et qu'après le reste je suis tranquille. Ou deux heures, bon, je sais pas. Ah, attendez, je sais, peut-être Victor. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Ça va bien, Victor? Dis-moi, est-ce que tu recrutes? J'ai un petit nouveau qui est devant moi et qui aimerait travailler. Ouais, ok, bah je vais. Pire, bah je fais ça là. Allez, merci à toi, Victor. Je vais vous donner un numéro. Ok. C'est le patron de la Syrie. Oh, ok, parfait. C'est 0950. Ok, 0950. Et ça s'appelle comment? Victor. Connor. Rash. C'est tout bon? Un numéro? 0950. Oui. 555-0950. Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Bonne recherche à vous. Je dois l'appeler, c'est ça? Oui, appelez-le comme ça vous prenez contact avec lui. Ok, parfait. Merci beaucoup et merci pour votre aide. Il n'y a pas de souci. Passez une bonne soirée. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Faites attention. Et bonne soirée. Et bonne soirée. À demain. Okay. Et à la prochaine. Pour moi qui est défringué là. Oh, j'ai la pression, je vais appeler le patron de la Syrie. Oui. Bonjour, monsieur Connard. Connor. Ah, Connor, excusez-moi. je vous appelle parce que le patron de réparateur m'a dit appelez-vous. Oui, bien sûr. Vous êtes monsieur? Monsieur Llorente. L'Oriente, ok, bah c'est vous qui avez laissé un message sur le pendant, je vous ai envoyé un message tout à l'heure. Ah, ok. Oui, écoutez, bah oui, moi je recrute, alors ce soir ça va être compliqué parce que là je suis en train d'aider une amie à bouger ses véhicules. Je vous aide à demain? Bien sûr, vous êtes où? Vous voulez que je vous aide à bouger un véhicule? Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller, il nous reste deux véhicules à bouger là, donc d'accord, on va pouvoir le faire.
Ok. Bah écoutez, vous savez à peu près quand est-ce que vous serez là demain, parce que comme ça je non, pourrais non, mais je suis libre toute la soirée, sinon je suis là tout jusqu'à tard. Bah moi, je vais juste bouger les véhicules, après, faut que je vienne me coucher, je okay. m'élève tôt demain matin. Pas de soucis, comprends, patron dur, je vais travailler. Comprends. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, oui, ce serait avec plaisir, on a de la place à la scierie. Si vous êtes là demain, on peut essayer de se fixer un rendez-vous demain. Ok, pas de soucis, merci. Ok, okay au revoir, monsieur Connard. Au revoir. Vous m'envoyez un message quand vous arrivez en ville, comme ça, bien sûr. Si je suis... Ok, bien sûr. Super. Et pas ben, de soucis. Au revoir. Et bonne soirée, monsieur Loriente. Merci. Ok. Bah, bonne chance, désolé, j'ai refusé d'être avec vous parce que moi, vouloir vie privée. Ah oui, effectivement, oui. C'est difficile ici. Ici, c'est compliqué. Ouais, très c'est compliqué. Dur. Je vais y aller, moi, nouveau. Y a flic à côté, mais moi, pas ma voiture, ça. Donc, couvrez-moi. Restez droit, ok? Ok, ça marche. Merci. Mettez un bisou à Connard de notre part. Oui, Connard, oui, pas de soucis. Bougez pas, bougez pas. Quatre-vingt-quatorze. Monsieur, vous allez bien? Vous voulez de l'aide? Non? Ok. Aïe. Voiture.
3-3-2-6. 3-3-2-6. 3-3-2-6. 3-3-2-6. Merci à toi, Mike Big Burger, pour le sub, ça fait plaisir. On peut le faire, ça. On va dans l'ombre, on s'en fout. C'est là comme ça. Merci à toi pour le Captain Crab. Bah alors, t'es pas sur le serveur là? Hello le fiston là? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à Fan Ferrari pour les 6 mois, les 3 mois, ça fait plaisir. Merci pour le sub, merci My Big Burger pour les 20 mois. Nouveau perso, nouvelle aventure, maman, bien sûr. Merci à Captain Crab pour le host, pour le raid. Bon, il est où le fiston là? Il aurait pu être là, merde. Allo? 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 Ok. Allo le feston là, merde. Du boulot à faire là, l'argent. Oh. Fais-moi belle voiture. Policier. Bien sûr. Merci à toi, HX6. Pas dit que je puisse sub à vie, mais au moins là c'est pour bon 3 mois. Merci, ça fait plaisir. Je sais pas si. Ah oui, encore les gars, n'oubliez pas qu'il y a le September encore pendant. Vous pouvez vous abonner 6 mois pour le prix, je sais pas, 30 ou 50% moins cher, n'hésitez pas. Et sinon, si vous n'avez pas utilisé votre Twitch Prime ou autre, faites-vous plaisir. Oh oui, moi je dois pas faire. Troisième mois. Merci à toi, Bromski. Merci pour le Touch Prime, ça fait plaisir. Welcome, dude. Merci, tu es ton Touch Prime chez moi, ça fait plaisir. Ouais, les radars disent que c'est voiture volée. Merci à toi, Dinawatt, merci pour le sub, ça fait plaisir. Ah oh non, moi j'ai pas de voiture. Hein. Enrique n'a pas de voiture, il a pas de permis. Il a rien du tout. À part le PPA. Aïe aïe aïe, salut Miss Juliette, comment tu vas, ça fait longtemps. Bon, je sais ce que je vais acheter. Peu de billard. D'argent, putain. Oh. Vite. Pour 5 km, c'est loin. C'est où? Ouais, plus loin encore.
faut que je mette ça. Merci à vous pour le train de l'hype. Attention, un train de l'hype au GTARP. Des malades, y'en a, ça existe ? Merci à toi Shiwen pour les 3 subs offerts. Oh là là, on a rempli un train de live les gars, un level 1. Jusqu'où on va remonter? Pas beaucoup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se subent avec GTARP. Et voilà. Bonsoir. 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 Hola. Hola. Comment ça, hola. Monsieur Llorente, c'est ça? Llorente, tout à fait. Llorente. Espagnol? Tout à fait. Ok. Espagnol, ça, italien. Ça s'entend. Ah. On me dit souvent mexicain. Mexicain? Ouais. Ouais, on aime bien les mexicains ici. Si, moi, c'est dommage que vous le soyez pas. Ah, désolé. Mexicain, ah, mexicain. On parle la même langue, c'est ce qui est important. Si. Vous avez envoyé boulot 24/20. Ouais. Oui, on m'a envoyé un message en disant. Attendez, je voulais. Alors. Hola, tu cherches un boulot qui rapporte mieux que ton entreprise. Envoie boulot à 55. Et le numéro. Ouais. Voilà. Et c'est quoi ton boulot entreprise? Pour l'instant, j'ai rien du tout. J'ai refusé dépanneur parce que je veux avoir une vie privée. Ouais, c'est de la merde. Okay. Et peut-être la Syrie ou peut-être autre chose, je verrai. Je vais voir le patron demain. Couper du bois et faire couper du bois et puis après être tranquille après toute la journée. Ben c'est cool, justement. Ce qu'on te propose, c'est un petit boulot vraiment cool. Tu bosses quand tu veux, tu fais les heures que tu veux. T'as pas de quota. Et t'as pas de quota et tu gagnes en fonction de ce que tu fais. Ok. Mais après, ouais, faut pas être fermé à certaines choses, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Dis-moi tout. Ah, j'aime tout faire. Quand il y a de l'argent, je suis prêt à beaucoup faire de choses. Ok. Faire le commercial, ça te dit? Ouais, pourquoi pas? Aller en ville, vendre des petits trucs. Ah oui. Des gros trucs. Des gros trucs. Ah oui. Des très gros trucs. Oui, très gros trucs, des bonbons, ouais. Des couleurs différentes, quoi. Non, plus, non plus, encore ça, mieux. C'est des moyens trucs, ça. Ouais. Nous, on fait que du haut de gamme. Ok. Et bon, la paye, elle est haut de gamme aussi. Ok. T'es chaud ou... Bah c'est quoi? On parle pas beaucoup. Bah, je sais pas. Ouais, tu... Oui bah je vais pas vous mentir, vous êtes 5, moi je suis tout seul, je sais pas. T'inquiète pas. Cool. Bien sûr. Tranquille, surtout avec un latino, on va être tranquille. Bien sûr. On est dans le nord ici, c'est cool, on est cool.
Bien sûr, bien sûr. C'est quoi comme, comme source que je peux m'en vendre? La coke. Ah, ok. Oh, la coke, oui, farine. Ok, ok. Oui, fabrication bah, pourquoi artisanale. Pas. Oui, bien sûr. Comme la standard, si j'ai de la coco, on m'attrape, je sais pas qui m'a trouvé, et je vous connais pas et vous me connaissez pas. Bien évidemment. Ah mais il est pas con celui-là. T'as une carte d'identité, Enrique? Bien sûr, tenez. Tu vois, quand je vous dis que le latino n'est pas trop con, ça va, hein? Bah ouais, ça va. Ouais, ça dépend lesquels. Ah, surtout, ouais. Hein. Je sais. Merci. Du coup, mon ami, il va te filer 15 petits trucs. Ok. 15, on commence petit, les gens, ils... Ouais. Parfois bien c'est bien galère, sûr. Parfois c'est chiant, y'en a qui aiment pas. Bien sûr. Mettre ouais, terre, hein, tu vois, une petite quinzaine. Si au bout d'un petit moment, toi t'as d'acheteur, t'en as marre et tout, nous rappelle, on s'arrangera. D'accord. Vous savez où je peux vendre facilement? Je vois pas beaucoup de gens en ville. Il y a des heures, des endroits où... Si vous avez des petits tips... La nuit, tu peux aller sur les sorties de boîte et tout, on s'en va nous de là-haut, là. Ok. Un peu dans le nord de la ville. Pacifique, ouais. On fera gaffe parce que les flics ils traînent pas mal là-haut. Alors je note Vinewood la nuit. Vinewood, Spanish. L'aéroport aussi. Après, c'est un peu. Les flics ils y tournent un peu, mais t'as le métro pour te barrer quoi. Ouais, yeah. C'est clair. Ça c'est la nuit. Spanish, aéroport, Vinewood et la journée. Le matin, tu peux aller bord de plage. Après la fête foraine. La rue qui ouais, descend vers la plage, avec les boulevards. Ça te parle ou pas? Bah je vais trouver. Matin, bord de plage, et vous avez dit quoi? Tous les clips de boulevard en fait. Tous les clips de boulevard ça vend bien, quel que soit le jour ou la nuit. Quel que soit le moment de la journée, je veux dire. Mais après, c'est très connu, par les flics. Oui, après, faut s'habiller comme les gens de là-bas. Ok. Ouais. Et après-midi? Les mêmes endroits que le matin. Hein. L'après-midi, c'est journée. Quoi, check les endroits qu'on t'a donné. Tu peux okay. Regarder le matin, l'après-midi, le soir. Ok, parfait. Ça, et tu vois où c'est qu'il y a des gens. Ok, parfait. Ok. Et quand j'ai terminé, je viens vers vous, c'est ça? C'est exactement. Voilà. Je t'envoie d'autres numéros au cas où tu n'es pas là. Ok, j'ai une question. J'ai beaucoup d'argent et je me mélange avec l'argent qu'on me donne et l'argent que j'ai. Comment je fais? Ce que tu fais, une fois que t'as fini, tu passes à la banque. Ok. Tu déposes tout ton argent à la caissière et puis à un moment elle va te faire ces billets là, j'en veux pas. Ok, et ça c'est pour que, okay. Voilà, tu nous ramènes ça. Ok, parfait. Ok. Normalement la caissière elle pose pas trop de questions, elle dit j'en veux pas et elle te l'autre. Dans les 15, est-ce que je... Bon, je... Je pense que dans les 15, je vais en utiliser un pour voir la cam. Et comme ça, je peux parlementer avec les gens comme on sait. Puisque si je ne l'ai jamais testé, ils vont croire que. Vas-y, on paye sur l'argent que tu ramènes. Tout de suite, tu vois. Ok, parfait. Fais attention, parce que quand tu vas tester, ça va te déblinguer la tête. Ah ouais. Si tu t'en gardes 5 et que tu en vends 10, rien à foutre. Ah non, je vais en prendre qu'un seul. Non, un seul, ça me suffit. Ouais, tu pourrais prendre goût. Je connais quelqu'un qui aime beaucoup. Exactement comme ça, je peux parler et parlementer avec mes clients en disant les symptômes et ce qui est cool et cool. Bien sûr, on m'entend un peu. Hein. Ouais. T'as pas d'autres questions sur le produit? Son prix, par exemple? Ouais, ça serait une bonne question, tu vois. Bah ouais, combien je pourrais le vendre? 95, ok. Unité. Ok, et si les clients sont un peu rebolos et qu'ils me donnent moins, qu'est-ce que je fais? Je le casse la gueule? Tu continues. Ah, je continue quand même? Ok. Ouais. Ok. Est-ce que je casse la gueule s'il me donne moins? Ou je laisse passer? C'est toi qui vois. Ok. T'aimes casser les gueules? Bah après, si on prend pour un con, oui. Non, la dernière fois... On t'aura peut-être rougé. Ok. La dernière fois, la grosse vase du sud, j'ai demandé à Twix, elle m'a donné un Twix périmé et elle m'a saoulé et j'ai tout pris. Pris quoi? Des trucs... des sacs. T'as réussi à les revendre tes sacs? Non, j'ai jeté après, je savais pas où rentrer, ça rentrait pas dans mon hôtel. J'ai préféré mettre poubelle. T'as jeté des sacs d'argent? Tout à fait. T'as l'impression que c'est malin. Si tu le fais,
tu l'en visites encore à la grosse. Ramène tes sacs, on pourra faire éventuellement quelque chose pour toi pour tes sacs. Ouais, je verrai, je verrai. Mais je vais faire, faire coca. Ok. Ok, ok. Ouais. Perfecto. Ok. Bon, de toute façon, vous serez là tard aussi quand même, ou vous partez tôt Non, généralement on reste assez tard. Ok. Bon bah, et vous pensez que je peux vendre vers le nord ou pas du tout? Sur Paléto, oui. Sur Paléto, ouais, c'est le seul endroit. Quoi. Mais c'est compliqué parce que il y a qu'une seule rue, un seul axe principal et les shérifs ils t'en passent assez facilement. Ok, ok. Ok. Moi je vais tester. Vous avez si par exemple on m'attrape, est-ce que vous savez où je peux mettre ma coca rapidement s'il me trouve dans une bah, des trucs tout en pif, sinon OK. Une poubelle à la limite. Ah ouais, tout dans le pif. De main, mais... Ah ouais, ouais. Ouais, je ça fait un peu beaucoup. Mais... Ouais, je vais peut-être mourir à cause de ça, mais ouais, OK. Ouais, faut mélanger les poubelles, ouais, hein. Les 15 dans ton nez, je suis pas sûr que tu te relèves. Ouais, bah, ouais, si j'a... faut, si on m'attrape prendre une amende. Après si on m'attrape dès le début, c'est que je suis vraiment très con. Mais ouais. Okay, ouais, okay. Mais après tu peux jouer au con, justement, si t'es nouveau. Ok, ok. Vous pensez que à chaque fois que, par exemple, j'ai 15 et il m'attrape avec 15, c'est... je prenne aussi cher que si j'en ai 5 les flics? Eh bah non, si t'en as 5, tu peux dire que c'est ta conso et normalement ça passe. Ah ok, ok, ok. Mais 5, ça se vend trop vite, c'est pas... c'est de la merde. Ok, ok, parfait. Ok, bah je vais essayer de faire ça rapidement. Bon, rapidement, c'est un gros mot, hein. Je connais pas encore la ville par cœur et je vois pas beaucoup de monde, mais je vais faire mon mieux. Ouais, tranquille, okay. Tranquille. Puis, si tu sens que t'es pas fait pour ça, t'inquiète pas, on te trouvera autre chose. D'accord, d'accord. Tout le monde n'est pas fait pour ça, honnêtement. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ok, parfait. Bah merci et bah je vous connais pas et adieu. Et, ouais, enfin pas adieu, mais vous savez quoi. Ok. Je t'ai envoyé le numéro. À la oui. Prochaine. Oui, à la prochaine. Ouais, voilà. Mais voilà, tout à l'heure. Ok. Ouais. Ouais. Vendre argent. Et sorti de boîte.
Sortie de boîte. D'abord, utiliser. Tout tester la cam. Ah, bonne cam. Ah ouais. Ok, ok, vendre en même temps. Allez. Je vais me poser un peu. Voir un peu. Manger un peu. Ah, wouhou! Let's go, Kia! Kia veut? À toi là-bas, j'arrive! J'arrive, attends! Wouhou! Allez, c'est parti! Kia veut? C'est parti! J'en ai pris, c'est de la bonne! Tiens, c'est de la bonne, tiens! Prends ça, tu t'es mis bien! Allez, Kia veut? C'est parti! Toi là-bas, hey! J'ai de la bonne cam, gros! Merci. Si je te disais que j'ai de la cam pas trop chère, $100 la cam. Non? Attendez, je l'ai utilisé trop bon. Moi très rapide maintenant, hors là-bas. Moi très rapide. Regarde-moi, je vais plus vite que toi. Alors que je marche. Tiens. Voilà, c'est bien. Moi trop rapide moi. Casse, tur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 
Y'a personne. Oh, y'a un hélicoptère. Il faut que je cherche en dessous. Ok, c'est bon. Y'a des personnes là-bas. C'est sûr, ils vont te prendre. Ils ont vu des flics, c'est sûr. C'est trop tard. Monsieur! Putain, les. Hola! Merde! Arrête la vente, je vais la vendre. J'ai dû rater quelqu'un. Bonsoir, ouais, je vais bien. Ouais. Vous serez intéressé par un peu de cocaïne? Ah, désolé, non, moi je traîne pas dans ce système là. Ok, non, pas de soucis. Pas de problème, mais je vais bien, vous inquiétez pas, pas de ouais, problème. Non. Ok, bon, c'est bon, n'hésitez pas à appeler le SMS hein, si jamais vous avez bien sûr, un problème. Bien sûr. Et vous m'avez pas vu, hein? Ok, d'accord, oui, ça marche, comme vous okay, voulez. Ok, bah. Pas de soucis, bonne journée à vous. Ben merci aussi, bonne journée, bonne soirée à vous du coup. Merci. Wouh. Trabajando, pero estoy trabajando ahora, tío. Take her to the fucking ER, you asshole. Je cours. Uf. Ah, j'ai chaud. Pinche perra! No, I didn't tell him he could do that. No, dude, shit, yeah. He like totally split up ages what? Ago. You think I'm an he's idiot? Like, fair game, I'm gonna bro. Tell an 8-year-old that he can dig for gold in the backyard. Dude. Success. What the fuck you mean? That tone. Woman, bro, this is some real bullshit. Damn. Yeah. J'en ai plus ou quoi? Hello? Oh mais de cocaïne, putain, t'aurais pu prendre tout. Damn, petit. Ouais, merci quand même, hein. Mais t'aurais pu trop prendre, hein. Cordon dans mes poches, là. Hey, where we hanging out? Je vais trouver là-bas, là où il y avait ma voiture. Continue, je cherche. Ça t'intéresserait pas? Juste deux. Dude. Juste deux. Deux. Oh. J'ai bien caché sur le poteau. Dis-moi que t'en veux deux. Mais putain! Pourquoi t'en prends un seul? Tiens. C'est terminé. Bonjour monsieur. On vous a appelé? Faut que je trouve une autre voiture.
Après je peux aller à pied, hein. Je peux courir à pied. Je peux courir à pied sans problème. Bonsoir. Bonsoir. Wouh. Que passe ça? Pourquoi vous courez comme ça au milieu de la route? Bah, j'ai pas le droit de courir maintenant. Ah si si, mais au milieu de la route c'est dangereux, je trouve ça bizarre. C'est un peu dangereux quand même. Mais parce que je vais trop vite, je vais plus vite que vous quand je cours. Ouais, peut-être pas non plus, mais... Non Ok, ok. Non. Essayez de rester sur les trottoirs au moins si vous voulez courir. Mais y'a pas de trottoir ici? Ouais, bah, faut prendre un autre chemin pour monter du coup. Ok, je vais essayer de trouver un autre chemin. Eh, pas d'autre chemin. Cours, cours, cours. Cours, mon petit. Eh, monsieur, monsieur. Monsieur! Mais ils ont encore ces flics là, putain! Et pas tout trottoir! C'est vrai que j'ai réfléchi. La demoiselle me donne 50 au sac. Si je teste avec eux qui me donnent plus, je reste avec eux. Plus d'argent, plus la travailler. Les autres, ils m'ont donné de la méthamphanté... Non, de l'ecstasy. Donc l'ecstasy, ça va. Lui et eux, c'est cocaïne. C'est sûrement des groupes par drogue. Les flics. Bon, tu me saoules, tu dégages. Voiture rapide, je préfère mieux. Wow, ça va trop vite. Tout répète, tout répète. Wow. Oh, 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 oh. On est déformé.
je vais pas vous mentir, voilà. Oui, à 190, excellent. Rebonsoir. Salut. Ouais, ça a été rapide. Ok. Je donne tout ce que j'ai dans mes poches. Il y a peut-être un peu de mes poches. J'ai pas pu de. Au pire, tu dis combien il faut de rendre. Là, je sais pas. Alors. D'ailleurs, un peu moins de 1 500 $, je pense. C'est peut-être toujours du max. Alors, j'en ai pile un pour moi aussi. 1300. Du coup, normalement, t'as 1330. Ouais, 1342, je suis de mes poches. Donc ouais, 1332. T'as trouvé le produit. Ouais, ça a été rapide. Hein. J'ai pris avant et j'ai couru sur tout le monde. Bon, il y en a un qui a pas vu, qui a pas voulu, là, il était en moto, tout vert. Il a pas voulu, il a dit que c'était pas sa cam. Qu'il est pas dans ce bord. Wow. Et t'as vendu ça où? 42. Tenez. Merci. Et ouais, j'ai donné 12 $ de plus, je crois. J'ai vendu dans le nord de ça, la ville. Ça, c'est pour toi. Oh, merci. Okay. À côté de la grosse banque. Ah voilà. Ah ouais. Tu vois, là, ça part tout seul. Comme ouais. Un petit pain. Ouais. Il tourne un peu les autres, mais sinon, ça va. Yep, c'était, ça t'a plu, le commerce? Ah, c'était tranquille, ça allait rapidement. Très rapidement. Ouais, c'est pas toujours comme ça. Ouais. Du coup, tu veux un restock? Ouais, pourquoi pas, hein. Combien cette fois? C'était 15 tout à l'heure. Et comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, hein. C'est toi qui choisis, mec. Tu te sens demande plus. Bah, le truc, c'est que si, imaginez, je prends 50 sur moi, si on m'attrape, je prends plus cher et vous perdez beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup, mais si tu en 50, 20, 20, 20, 30. Mais moi, je suis chaud pour tout, hein. Moi, je suis chaud pour que vous me donnez le plus, mais j'ai pas envie que vous perdiez beaucoup. C'est-à-dire, si les flics me trouvent, vous perdez tout. Oui. On perd rien, on en a rien à foutre. Ok, 30. Ok, parfait. Bon, bah, je vais. Ok. Bon, c'est parti, alors j'y vais. À tout à l'heure. Ça marche. À toute. Ouais, tout le monde. Bon, c'est cool, c'est marrant. En fait, je vais essayer de. Pour ceux qui ne savent, je vais essayer de faire mon perso tranquillement et il va se mélanger à tout le monde et il va faire ce qu'il fait là. Par exemple, eux, c'est Croc, bah, ça sera Croc. Les autres, c'est Ecstasy. Les autres, ça sera Argent. Ça sera un peu. Pour l'instant, il est dans ce mode là, quoi. Celui qui paye le plus et voilà, quoi. Oui, donc les flics ont le radar et en plus ils savent que c'est un véhicule vogué. Donc oui, les flics ont ça. Les flics aussi ont quand nous on vend de la drogue maintenant, ils ont un appel en disant bah il y a du mouvement là-bas. Tu vois.
Zéro amende pour voiture, bah si, voiture volée, c'est grosse amende, conduite sans permis, grosse amende, si si, tu prends cher. Avec cocaïne, encore plus cher, je prends perpète quoi. Oui, je vais me faire prendre, les gars, j'ai vendu 15 cocaïne vraiment devant tout le monde, tu vois. J'ai pas cherché à me cacher ou autre, tu vois. J'ai pas cherché un peu à me cacher, je l'ai fait même devant eux. Non, il est pas là, feston. Donc oui, là, je la joue pas win-RP, en fait, on va dire. Là, je la joue tranquille. Regarde, tu vois, je me fais flasher. 185, voiture volée. Ah, les flics, ils m'ont trouvé, mais en courant, donc ça veut rien dire. Après, ils vont peut-être douter, tiens, c'est bizarre, il y a un moment, lui, il court, voilà. Mais. Ça veut pas dire que j'ai de la drogue ou autre, quoi. Rien à foutre, petit con. Viens. Ta gueule, grosse vache. Tu m'as fait un doigt? Tu m'as fait un doigt, connasse? Tu m'as fait un doigt? Reste par terre, connasse, va. Allez, t'es notre tapis là, connasse, va. Connasse. Je te le mets dans le cul. Alors, non, c'est une nouvelle fête ou autre. Non, c'est un grand mot. C'est... Oh, il pleut de merde. Non, c'est juste pour... comment dire comme ça, les gens, ils arrivent et ils savent qu'il y a un épisode avant et ils peuvent suivre sur les rediffs, tu vois. Comme ça, les gens savent exactement, tiens, saison 1, épisode 1, pourquoi pas, tu vois. Il pleut, sale temps, il n'y a personne qui dort, là. C'est quoi la question? C'est quoi la question que t'as posée? Maman, si je parle, si je te, tu te fais flasher avec permis, voiture volée, tu as amende ou point de bon moins? Ah non, pas du tout. T'as une voiture volée, t'es flashé, mais tu prends ni de points, ni de rien du tout. Ni de points, parce que c'est une voiture volée. Donc c'est pas toi. Tu te fais flasher ou autre, si c'est la voiture d'un de tes amis ou toi-même. Non, même pas les points. C'est normal, sinon ce serait trop...
Qu'est-ce qui se passe la saison 1 et la saison 2? Bah, on verra. Hein. Il y a du gros mouvement différent. Hein. Comme dans toutes les séries. En dessous de moi le piéton. Quoi? Et là-bas, putain, il est loin, gros. Hein. Un seul, mais pourquoi ils vendent qu'un seul? Ah, je mets peut-être trop de temps, peut-être non? Pourquoi je vends qu'un cocaïne là? Je mets trop de temps, non? Le rapide, je vais sur la personne, peut-être plus. Ça fait 5 fois que je leur envoie qu'un seul. Vas-y, deux. Oh, yeah, ainsi, toi. Eh, toi, c'est sûr que t'en veux 3 ou 4. Hein. Tiens. T'en veux 2. Ok, ok. Merci, merci. Tu es des gros nénés. Tu es exceptionnel, madame. Non mais là, il est où le mec qui veut m'acheter? Il est où celui qui veut m'acheter? Il y a un mec qui veut m'acheter, je le vois pas, putain. Oh, il est en bas, il se fout de ma gueule. Putain, comment tu m'as vu? Tiens, c'est un pote que j'ai vendu qui était peut-être la bonne et t'as dit il est là-haut. Comprends, comprends. Je comprends. Attends, j'arrive, j'arrive. Ah non, les flics vont arriver. Hein. Oh, t'en veux 4. Comme par hasard. Parce que t'es au port de la plage, hein. C'est normal. Tripping.
Listen, tell those fucking assholes to chill the fuck out, okay? C'est drôle. Putain, c'est sûr qu'au parc attraction, quand il fait beau, il y a du monde, hein? Mais tiens, c'est de la bonne. Je l'ai testé la dernière fois, c'était cool. Hein. N'hésite pas à le dire à tes beaux amis. Hein. Putain, je suis vraiment un cool commissaire. Qui en veut? Qui veut? Coca, Coca. Qui veut du Coca? Coca. All West, Coca, la, ta 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 ta. J'arrive, t'énerve pas. T'énerve pas, tiens. Prends et donne à tes voix. Daniel, voilà, donne à ta famille. Parfait. C'est parfait, j'adore. J'adore. Voilà, vendez, prenez 3, 4, 4, 5, prenez. Il faut que je vende. Comme ça, les gens, ils vont dire c'est bien. Mais. À ce que j'ai vu, j'en ai vendu. Il m'a donné combien? J'en ai vendu 14. Il m'a donné pas beaucoup, hein, je trouve. Hein. Il m'a donné la moitié, peut-être. Hein. Après, ouais. J'ai donné combien? 1300? 1200? J'ai plus combien donné. Il m'a donné la moitié, un petit peu moins que la moitié. Ça a l'air quand même intéressant, je trouve. Vendre de la cocaïne. Je gagnais pas autant, je crois, quand je vendais de la ecstasy. Il va pas me laisser tranquille, laisse-moi te bosser là. Ouais, t'es beau gosse, ouais. Ouais, c'est ça. Sacre merde. Je ramène de l'argent, je me fais... Ouais, je connais. Hein. Vous faites quoi, vous? Vous restez tranquille à rien foutre. Et nous, on travaille et on a le sale. Et quand on se fait attraper, c'est nous qui payons, vous, rien. Ouais, beau gosse, hein, sacre merde. C'est ça, hein. Merde. Quelqu'un qui veut me payer, non? J'ai dû arrêter. Le mec qui veut payer, là, qui veut acheter? Yo, tranquille. Merde. Ah, il est là-bas, je suis sûr. Tu te caches bien, c'est bien. Viens. Prends-en 4. Il m'en reste plus que 3. Attends, vraiment, je suis trop content. Ils vont être contents, je bosse bien. Et j'espère qu'ils vont me payer plus cher. Hein. Ah, quelqu'un veut prendre encore? Lui là. Tiens. Et voilà, ça va prendre un. Je peux en prendre 3! Et 3 pour le prix d'un! Merde! Bonjour! Oh, il est loin, putain! Tu m'as vu très loin, j'espère que tu vas prendre les deux, hein! T'en prends pas les deux! Tiens, voilà, c'est ça. Terminé. Allez, je cours. Terminé. Allez, on court, Ah, je dois faire d'abord banque. D'abord banque et après y aller.
Voiture de banque, y aller. Logiquement, ma voiture est toujours là-bas. Non, voiture plus là. Pourquoi voiture plus là? Ma voiture. Pourquoi ma voiture plus là? Ah, plus de voiture là. Putain. Aïe aïe aïe. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais montrer quand même. Buongiorno, buongiorno. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon stream chez Alpha. Merci à ce méga big host. Bon, là on fait un peu de GTRP. Nouveau personnage. N'est plus Marc Danton. Marc Danton a disparu. Pour ceux qui ne connaissent pas du RP, c'est du roleplay, c'est du. Ce n'est pas moi, c'est du roleplay, c'est on s'amuse, on déconne, on rigole. Merci à toi pour le host. Bonjour, non. Et je suis. Enrique Llorente. Un espagnol rital. Hein. Italien, comme on pourrait dire. Italien, si on dit pas rital, je le dis parce que c'est GTRP, bien sûr. Un espagnol italien. Un moment un remix Giuseppe. Bisous à tous. Enrique Llorente. Et qui est complètement le contraire de Marc Danton, qui était flic, capitaine, lieutenant et tout ça. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère que t'as passé un très bon stream Alpha et que tous les gens de Alpha ont kiffé. Désolé, je ne fais pas d'Among Us en ce moment-là maintenant, je fais du GTRP. Et voilà. Donc là, j'ai vendu de la drogue. Je fais un accent de merde aussi. Hein. J'ai vendu de la drogue. Et on est reparti. Une game. Puisque là, si on se fait attraper. Si on se fait attraper par les flics, c'est très très dangereux. Très dangereux. Moi avoir. Moi être. Pas cool. 3-3-9-9. Tenez, monsieur. Je mets 3-3-9-9. 3-3-9-9. Ok. Parfait. Merci. 2850. 2500. Ouais, on fonce. Oh. Ok. Moi, voir si quelqu'un me suit. Attention.
On va regarder si quelqu'un suit. Parce que moi, vendre beaucoup d'un coup et moi, sûrement être suivi. Moi, attendre un peu. Ah, Llorente. Enrique Llorente, nada. Vous pouvez voir, j'ai rien du tout à part permis port-arme. J'ai pas permis moto, ni voiture, ni poids lourd, ni rien du tout. Que permis port-arme. Jamais passé permis. Permis, ça coûte d'argent. Moi, pas beaucoup d'argent. Moi, pas suivi. Désolé pour attendre, moi, attendre pour voir si moi suivi. Ouais, pas de problème. Pas de soucis. C'est bien d'être prudent. C'est à qui tu dois me donner ? Yes. Tenez. Ok, parfait. Deux secondes. Parce j'ai un petit calcul. De 1850. Oh, c'était cool. Ça va. Pas de problème. Hein. Ah, moi, la voiture. Chance du débutant. Exactement. Moi voiture. Moi voiture police pour disparu. Il me donne si peu. Merci. Si moi trouvez voiture, donnez à vous. Comment ça trouver voiture? C'est moi prendre voiture de police. Ouais. Vous voulez prendre des véhicules de flics? Non, mais si un jour ça m'arrive, ouais. Moi vous donner à vous ou jeter exploser? Bon, on est preneur. Exploser, c'est bien. Ok, ok. Après un véhicule de flic, on est preneur. Hein. Non, moi juste savoir. Ok. Il y a encore matos? Tu veux? Ah oui. Allez. Même comme tout à l'heure? Oui, oui. Ou plus, comme vous voulez. Moi, tout même pas. On va faire 30 par 30. Perfecto. Ok. Ok, merci. J'y vais. Vous voulez pas parler de... Il m'a parlé, je l'ai mis un gros vent. J'ai pas entendu, il voulait pas parler. Alors Yolente, non, il bosse avec plusieurs groupes, ça change à chaque fois, par exemple, il va essayer, bah vous avez pu voir, hier j'ai fait sac, j'ai fait de l'ecstasy, je pense que je vais reparler avec les autres pour faire de l'ecstasy avec eux, je pense que, de toute façon ça va se passer comme ça, hein. Vous allez voir, de toute façon par la suite, après ça peut changer, hein. Du jour au lendemain ça change, hein. Là je, on verra ce que ça va donner quoi. Est-ce que tu parles bien espagnol? Oui. Parfaitement, je parle peut-être des fois, bon peut-être pas maintenant, mais si je parlais un peu espagnol pendant une petite semaine, je pense que je parlais mieux espagnol que français.
Ouais, il sait pas, il s'en fout. Il demandait au cas où parce que. Parce que bah il faut la jouer RP, c'est pour ça que je pose des questions. Vous avez pu voir que j'ai posé des questions que HRP je sais, mais RP parlant il ne sait pas, donc je suis obligé de jouer. Je dois jouer RP quoi, c'est-à-dire que mon perso il sait pas beaucoup de choses. Donc il pose plein de questions bêtes. Et il fait plein de trucs bêtes. Parce que on lui a pas appris et tout ça. Après voilà, il est pas non plus super con mais il fait des choses que. Et c'est le RP. Allez, on va vendre. Attends, c'est la première fois que j'ai l'image là, derrière l'année là. T'avais pas avancé l'image? Plus. Non, Yorente est loin d'être débile, il est intelligent. Il a vécu quand même, il a passé assez à son temps. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'il ne sait pas. RP parlant, il y a plein de choses qu'il ne sait pas. HRP, je sais plein de choses. Beaucoup trop de choses. Mais RP parlant, mon perso, bah. Perso, il sait rien. Il ne connaît pas la ville, il ne connaît pas la ville par cœur. Il a besoin de revoir des choses. Pour le truc, c'est pour ça qu'hier ça s'est mal passé niveau drogue aussi. C'est parce que on lui a pas dit comment fallait vendre, par quel quartier qui est mieux autre. Et donc c'est pour ça que ça a pas marché. Là on lui a expliqué qu'il fallait vendre à pied, qu'il fallait vendre sur des endroits, que le matin, le soir et tout ce bordel. Et donc c'est beaucoup plus simple, tu vois. C'est pour ça que vous avez pu voir que hier dans mes 10 heures il y a eu 2 heures de battement, mais c'est le jeu. T'es obligé de montrer que. Alors, on m'a pas donné les infos donc ça marchera pas. Et c'est du roleplay. C'est faut savoir jouer. Savoir jouer son rôle. Et c'est cool. Ça change, c'est le stress à chaque fois que tu vends. Oh, attends, y'a un mec là-bas. Et bonjour, non. Ok, au revoir. Ça s'appelle un vent. Ça, si personne a froid, c'est qu'il y a un problème. Je viens de me prendre un vent glacial. Ah la vache! Je lui parle, j'ai bonjour, Noé. Le mec s'en va. Il m'a entendu, hein. Mais rien à foutre. Il a dû se dire, c'est un PNJ. Attends, il y a un mec qui veut. D'abord, avant ça, je vais mettre mes 1200. Non, non, mais il m'a entendu. Enfin, après. Mais est-ce que j'étais à côté de lui et j'ai parlé en écrivant? Non, non. Oui, il y a un mec dans le BNG, il y en a qui dit bonjour, non? Bon, il y a un mec qui veut me vendre qui. Attends, qui. Voulait m'acheter, je crois, ici. Il l'a raté. Je pense, non? Ouais, j'ai raté.
En deux soirées, il est déjà plus riche que moi, civil, depuis des mois. J'ai aucun appartement, j'ai passé aucun permis, j'ai aucune voiture, j'ai rien acheté. Donc, si je pense que toi, en civil, t'as dû acheter des voitures, des places de garage, des places de... Attends, mais... Des places de garage, des places de... un appartement, des vêtements et tout ce bordel, tu vois. Non, non, pas du tout, Nico. Hier, comme j'ai expliqué aux autres, hier on m'a donné de la drogue et on m'a dit tiens, vends. Et on m'a pas expliqué comment et tout, on m'a rien expliqué. C'est pour ça que pendant mes 10 heures, j'ai eu 2 heures de battement avec la drogue et que j'ai vendu presque jamais. Parce que j'ai joué en faisant le RP, en faisant le mec qui connaissait pas. Et donc j'ai fait 2 heures de battement, j'ai pas vendu et finalement on a switché à voler des sacs. Et je leur ai rendu l'ecstasy. Là, avec eux, ils m'ont exactement dit comment fallait vendre, où, le matin, l'après-midi, le soir, les rues, à pied et tout ce bordel, tu vois. Et là, c'est pour ça que j'ai vendu rapidement. Ah, ok, tu t'es mal compris, ok. Ouais, j'expliquais parce qu'il y a des gens qui se disaient, ah ouais, mais bon. Non, il y a des fois où je fais exprès de vendre n'importe comment, il y a des fois où je me montre bien, enfin, il y a vraiment. Quelle heure il est là? 2h du matin, bah c'est ici là. Et voilà quoi. Je suis même allé en zone rouge, j'ai pris des... On m'a tiré dessus. Non, je vais la jouer pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, moi, que ce soit lose RP, win RP, pour moi c'est du win RP. C'est du RP n'importe quoi. Quand je perds, je vais en rigoler. Quand je vais perdre, ça va être c'est du bon RP. Le RP avec Russell, c'est du lose RP, mais c'est trop marrant. J'ai trop kiffé. C'est l'une des meilleures scènes, je trouve, tu vois. Où c'est le patron et moi je suis une grosse merde, tu vois. Oui, bien sûr, Neko. Le fait que je connais le jeu serveur, que je connais le jeu, il y a des trucs que. Bah oui, c'est normal aussi que. Il y a des trucs où la ville, je la connais un petit peu, quoi. Non, il sait pas du tout. Il sait qu'il vend de la drogue à des groupes différents, qu'il travaille avec différents groupes en ce moment, et qu'il se prend pas la tête. Et il va aller au plus offrant, tu vois. Là, il a pas calculé combien il m'a donné 1200. Je lui ai donné combien? Putain, mais à combien j'ai donné? Comme ça, je vois un pourcentage. J'ai donné 3000. J'ai donné 2800. 2850. Il m'a donné combien? 1200. Ça fait combien? Attends, calculatrice, je vais faire. Oh, vous allez plus me le dire. Ça fait combien de pourcentage? Pourcentage, 40. 42, 40. Et c'est lequel? Ça va? Donc finalement, il me donne 40%, 40%. Ça veut dire que 1200, c'est combien le sachet finalement? Faites le calcul, il m'a donné 30, 30, et il m'a donné 1200, 30, 30, bah c'est 40, 40 le sachet, ça. $40 le sachet. Qui me vend là-bas? 40 le sachet.
C'est pas cher, mais c'est normal, c'est normal. Ça, faut pas oublier que moi je donne de l'argent sale et tout, il doit faire quoi, du 80% ou 75%. C'est la même chose, lui c'est de l'argent qu'il veut. Moi je veux de l'argent, je veux de l'argent. Donc c'est pour ça que maintenant dans son sac, dans sa tête, les sacs, c'est pour la demoiselle. Quand il va faire les sacs avec son fiston, c'est pour la demoiselle. Parce qu'il lui donne 50 dollars le sac, et donc c'est très intéressant. Et il sait que les autres, ceux que j'ai bossé, bah eux c'est l'ecstasy. Eux c'est cocaïne, c'est bien, je trouve que c'est plus, enfin bleu pour lui, il préfère travailler par groupe, par drogue. Il a pas eu encore le cannabis, mais le cannabis ça doit coûter pas trop cher. Bardi? You want a Bardi? I got something for Big Bardi. Y'a personne. Merci à toi, Piwi 6, pardon. Merci pour le sub, tiens, ça fait plaisir. On a 8 de vendu, c'est tout. Il va faire commencer à... Bon, ça se fait tôt là. 1h23, ouais, putain. Là, il commence à être quelle heure? 5h41 du matin, il va falloir que je commence à partir vers la plage, je pense. Non, j'aime finir le travail. Ouais, je commence à se faire tôt. Ah, tôt, matin, vite, plage. Plage, mais dis plage, playa. Excusez-moi, j'aime bien votre voiture. Elle est rouge comme le sang.
Ah, putain de merde. Oh, ça dérape beaucoup. Ah, oh, c'est bon. Au travail. Je dois être beau. Je dois être beau. Je dois bien parler et dire que c'est bonne cam. Monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avoir de la classe, vous. Vouloir Coca. Coca 100 dollars. Coca 100 dollars. Coca 100 dollars. Et je vous parle. Vous êtes, ah ouais, vous êtes musclé quoi. C'est pas de la coca que vous prenez là. Ok. C'est qui la voiture lui? Je vais me poser deux secondes, je vais pisser. Pas la merde, hein, c'est la bonne. Mais... on prend qu'un seul, prends-en quatre. On m'a envoyé un message, non?
Dans un 4. Putain, mais c'est quand je me casse qu'elle commence à vouloir. Non, mais vends en plus. Oh, mais. Are you high? Non, un petit peu quand même. Un petit peu. Un seul, putain, vraiment. Grosse balle. Où ça pue? Oh non non, il n'y a plus l'autre là-bas. A-t-il déposé quelqu'un? Damn, yo, was really good. I know, very very good. Je pense que c'est un civil, enfin un LSPD qui a. Putain. Ah, désolé, j'avais pas vu. J'ai pas vu. On dépose un flic, je pense, qui s'est mis en civil. Je crois qu'il y a une voiture derrière, en dessous. Il s'est posé. Regarde, elle est là la voiture. Et en dessous, je pense. No way. Ouais, j'ai tout vendu. C'est parfait. Ah, j'ai pas vendu cher. Ah ouais, j'ai rien vendu. Ça coûte pas cher. Hein.
J'ai pas vendu cher. J'ai vendu 30 et j'ai que 490 sur moi. La vache. Ah ouais, non mais attends, mais j'ai... Ah ouais, non, c'est... Ouais. Durant. Hi there. 498. J'ai rien. Oh la vache. 486. Oh non mais vraiment what the fuck quoi. Eh ouais. Aïe aïe aïe. Oui, je pense qu'il y a... Ouais, pour ceux qui ne savent pas, quand tu vends de la drogue, quand c'est pas très cher du tout, c'est qu'il y a beaucoup moins de flics, donc il doit y avoir 2-3 flics, quoi, au lieu de 5, 6, 7, 8, 9, 10, quoi. Quand j'ai vendu, il y avait beaucoup de flics, là, quand j'ai vendu maintenant, il y avait presque pas de flics, quoi. Ah ouais. Toujours okay. Des beaux véhicules. Ah merci. C'est la merde un peu, j'ai vendu tout mais j'ai pas beaucoup d'argent. Ouais, le prix a baissé. De toute façon moi je pense qu'on va arrêter pour ce soir. Oui bien sûr, bien sûr. T'as combien du coup? Ça a baissé beaucoup beaucoup hein. C'est tout ça. 30 pour ça. Ah ouais. Je me suis fait arnaquer. Ah bah ouais un petit peu ouais. Complètement arnaqué. Mais c'est différent énorme. Ça doit faire, c'est trop tard, les gens sont trop drogués, pas d'argent. Ouais, donc j'ai perdu plus d'argent, donc ne me donnez rien, c'est pas grave. Hein. Bah si, tu travailles avec ça. Oui, mais c'est ma faute, j'aurais dû m'arrêter quand je voyais que ça prenait pas beaucoup. Je t'en dis, peu importe le prix, bon là j'avoue, c'est un peu trop bas, mais... Ouais, 486, oh là 15 $. T'as fait l'erreur une fois, tu la feras pas deux fois. Ah non, voilà. Jamais vendre trop tard. C'est ça.
Ok. Bah ouais, du coup on va stop pour ce soir alors. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, on arrête. Et bah tu nous fais signe quand t'es. Pas seulement quand demain après-midi si vous êtes là. Ouais, ça marche. Ouais, t'as noté les numéros que je t'ai envoyés? Je vais noter. T'en ai rajouté un. Ok, ça c'est le vôtre, c'est ça? Non, moi le mien il est tout en haut. Bah attends, je te les renvoie tous. Ouais, c'est bon, j'ai déjà. Preston Bell, Sid. Ouais. Et j'ai que 3 sur 4, c'est pas grave. 2 sur 3. Et t'as Magne, 24-20 à la fin. Mais là, vous êtes 4 devant moi. Oui. Et j'ai 3 numéros. T'as 3 numéros. Ouais. Okay. T'as les 3 qu'il faut. Ok, parfait. Perfecto. Ok, je vais noter ça et parfait. Quand t'es là demain et que tu veux bosser, tu fais signe. Et puis voilà, si tu continues comme ça, on commencera à parler d'augmentation de pourcentage et tout ça, tout ça. Bien sûr. Ok. Perfecto. Bah, je vous remercie. Bah, merci et bonne soirée. Reposez-vous bien. Ouais, toi aussi. Toi aussi. Allez, au revoir. Putain, ciao. Donne la caisse, le gros. Donne-moi la caisse, le gros. Tout de suite, le gros. Dépêche-toi. Allez, rapidos. Je m'énerve, dépêche-toi. Allez. Que je m'énerve, là. Yeah, allez, là. Dépêche-toi, là. Hé. Allez. Donne-moi tout. Je te dis, donne-moi tout. Dépêche-toi. Allez, largue la caisse. Largue la caisse et dépêche-toi. Bien. T'es un bon gars. Normalement, t'as de l'argent, je pensais que ça allait pas marcher. Allez, donne les caisses. Dépêche-toi. Gagne la hostia, mais gagne tout là. Deux caisses, deux sacs, pas deux sacs là. Allez là. Dépêche-toi. Allez là, refoule tout, dépêche-toi là. Allez, ils vont arriver. Je suis tout seul, y a pas le fiston pour me cover. J'aurais jamais dû faire ça, parce qu'il m'est arrivé là, mais je me sentais pas assez pimenté tout seul ce soir. Aïe. Oh l'hostia. Voir combien il coûte. Oh, je m'en.
Je vais voir combien il me prend pour le sac. S'il me donne beaucoup plus ou pas. Alors, 76-84, Weston Bell. Tid, 71-75. Ah, ils sont plus disponibles, ils ont dû partir. Aïe aïe aïe. T'as failli m'écraser, mec. Oh, bonjour, non. Je ne vois pas votre... Vous êtes en quoi, en moto? Oui. Ok, je te vois. Désolé, j'ai du mal à mes yeux. Moi, ah, pas de problème, pas de problème. Vous avez mal aux yeux, c'est ça? Ouais, je vous vois... Voilà, quoi. Bizarrement. Ah, ok, ok. Bon, c'est pas grave. Ça peut arriver. Y a pas de souci. Je vais aller ranger ma moto chez moi, du coup. Pas de souci. Bonne journée. Désolé. Bah, y a pas de souci. Merci à vous aussi. Bonne journée. Pas de problème. Ouais, j'ai fait une erreur RP parlant entre guillemets. J'ai pas vraiment vu l'heure en fond et j'ai fait une super à 1h30, je pense que c'est pas bien.
C'est pas bien de faire une supérette à 1h30 du matin. Mais bon, pas grave. Je ferai attention la prochaine fois. À 1h40. Ouais. Non, parce que vu que le serveur, en fait, pour ceux qui ne savent pas, le serveur est down à 2h du matin. Supérette, c'est un magasin que j'ai fait là. Et je l'ai fait à 1h40. Il y a la tempête, donc c'est pas très très bien. Après, c'est pour ça que je l'ai fait seul. Et que s'ils arrivaient, ils venaient, j'allais me faire attraper. Et qu'on allait faire le truc après 2h du matin, quoi. C'est pour ça que j'ai pas voulu la jouer. Ah ouais. Putain, il y a 4 km. Ah ouais, mais là, j'ai pris la pire voiture. Non, ça coûte 2h, 2h du matin, 2h05 quoi. Ouais, regardez, on est que 22 joueurs, tu vois. Ça, c'est pas à refaire. Hein. Je pense qu'il faut que je fasse la supérette avant 1h30. Enfin après. De toute façon quand j'ai vendu, ça s'est vendu bien et ça s'est vendu très 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 peu cher. C'est quand même ouf parce que c'est dire, je me rappelle quand on était à LSPD, à 1h30 du matin, on était encore 8 ou 9. Hein. Là, je pense pas qu'ils étaient 2 ou 3. Hein. C'est triste. Hein. C'est très très triste. Donc là, je vais vendre mes sacs et je vais voir. Bon, je sais, HRP parlant, je sais qu'il va pas me payer cher pour les sacs. Mais je le fais parce que c'est du RP, ça crée du RP et tout. Et je vais voir qu'il va me l'acheter à combien, je sais pas. Il va pas me l'acheter plus cher qu'elle. Et ça va m'intéresser aussi de avec du RP. Je veux dire, ok, lui, eux, c'est que de la cocaïne et l'argent, c'est que la demoiselle. Demoiselle, il paye cher. En fait, je calcule entre guillemets, vu que lui, c'est de l'argent qu'il veut, et donc en fait, si le mec paye bien, ça veut dire que c'est des bons gars, tu vois. Et s'il paye pas très cher, bah ça veut dire qu'il te teste, et bon, ça veut pas dire que c'est des bons gars, mais ça veut dire que le pourcentage est pas monté, tu vois. Dude, j'ai rien pris en plus, putain. Ah, j'ai mal. Voir un médecin juste après, mais ça, c'est personne à cette heure-là. La ceinture, merda. Quand la hostia. Oh, excusez-moi de la tardive. Oh. Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis, vas-y, envoie. Et c'est là où je vais voir si. 55 sacs. Nickel, je t'en paye 40$ l'unité du coup. Ok, ok, merci. Et voilà pour toi. Ok, merci, et désolé ouais. Pour le retard. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Bonne soirée. À toi aussi. Merci. Okay. Donc, tu vois, je sais que c'est 40$ l'unité. C'est bien. C'est beaucoup, déjà c'est plus, enfin, c'est déjà plus que les premiers gars que j'avais bossé, les je sais plus c'était quoi leur truc, je sais pas du tout, mais je sais que voilà quoi, et donc ça c'est un point important à se noter, donc les sacs c'est pour la demoiselle, et lui, eux c'est pour la cocaïne, et les autres c'est pour l'ecstasy, voilà tu vois.
J'ai pas encore le cannabis. Ah, c'est... Ici, je crois. Non, ici. Donc je sais que voilà, la demoiselle, donc Lexi, c'est 50$. Donc c'est avec elle que je dois voir. Bonjour Martin. Oui, c'est le papa et oui, c'est le papa de Fiston. C'est si. Vado a entrare. Ah, muchas gracias. Un beso. Ah, je dors chez Martin. Je dors en elle. Ciao tout le monde. Wouh! Ciao. Merci pour tous ces cœurs, mais il faut se dire juste merci et c'est beau de voir que les temps changent. Il faut se dire que dans quelques minutes, vous allez tous partir et je suis seul chez moi. Il n'y a pas de discours, j'ai pas envie de faire de discours ou autre, il n'y a pas de mot à dire. Juste merci et faut continuer parce que c'est beau ce qu'on montre. Non mais putain, Gaspard, putain, c'est vraiment de la merde. Oh là là, horrible. Non mais putain, putain. Merci pour tous ces cœurs, mais il faut se dire juste merci et c'est beau de voir que les temps changent. Il faut se dire que dans quelques minutes, vous allez tous partir et je suis seul chez moi. Il n'y a pas de discours, j'ai pas envie de faire de discours ou autre, il n'y a pas de mot à dire. Juste merci et faut continuer parce que c'est beau ce qu'on montre. Non mais putain, Gaspard, putain, c'est vraiment de la merde. Oh là là. Horrible. Merci pour tous ces cœurs, mais il faut se dire juste merci et c'est beau de voir que les temps changent. Il faut se dire que dans quelques minutes, vous allez tous partir et je suis seul. Il n'y a pas de discours, j'ai pas envie de faire de discours ou autre, il n'y a pas de mot à dire, juste merci et faut continuer parce que c'est beau ce qu'on montre. Oh mais putain, Gaspard, putain, c'est vraiment de la merde. Oh là là, horrible. Oh mais putain. Merci pour tous ces cœurs, mais il faut se dire juste merci et c'est beau de voir que les temps changent. Faut se dire que dans quelques minutes vous allez tous partir. Merci pour tous ces cœurs, mais il faut se dire juste merci et c'est beau de voir que les temps changent. Faut se dire que dans quelques minutes vous allez tous partir et je suis seul chez moi. Il n'y a pas de discours, j'ai pas envie de faire de discours ou autre, il n'y a pas de mot à dire. Juste merci et faut continuer parce que c'est beau ce qu'on montre. Non mais putain, Gaspard, putain, c'est vraiment de la merde. Oh là là, horrible. Non mais putain, putain. Merci pour tous ces cœurs, mais il faut se dire juste merci et c'est beau de voir que les temps changent. Faut se dire que dans quelques minutes vous allez tous partir et je suis seul chez moi. Il n'y a pas de discours, j'ai pas envie de faire de discours ou autre, il n'y a pas de mot à dire. Juste merci et faut continuer parce que c'est beau ce qu'on montre. Merci pour tous ces cœurs, mais il faut se dire juste merci et c'est beau de voir les temps changent. Merci pour tous ces cœurs, mais il faut se dire juste merci et c'est beau de voir que. Il n'y a pas de discours, j'ai pas envie de faire de discours ou autre.
a pas de mot à dire, juste merci et faut continuer parce que c'est beau ce qu'on montre. Non mais putain, casse-toi ! Putain, c'est vraiment de la merde ! Oh là là, horrible ! Non mais putain, putain. Merci et c'est beau de voir que les temps...